Bonjour le web. Ah, déjà que les intros c'est ringard, j'ai réussi à ringardiser un truc ringard. Yes. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait cette série, je crois plus d'un an. Pour ceux qui se souviennent, non parce que maintenant c'est un souvenir, hein, c'est plus une série. J'étais parti du principe dans les précédents épisodes que cet emoji me ressemblait et on l'avait appelé Alphonse Dubitatif. C'est le client complètement absurde qui va acheter des objets qui n'ont jamais été notés. Pour pas de spoil évidemment, c'est pas moi qui commande directement les objets. Il y en a un qui a mis un mois à arriver et après j'étais plus là, j'ai pas pu tourner la vidéo. Donc entre temps, peut-être qu'il y a des objets qui ont eu des notes, on les découvrira s'il y en a, voir si je suis d'accord avec eux ou si pas du tout. Alphonse Dubitatif est de retour. Bah oui, parce que ça c'est sa page consommateur. Et ouais, je suis connu sur Amazon. Premier objet, bah, c'est génial ça, c'est super, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Exerciceur de cou. Description d'objet, matériaux de haute qualité. Bon bah s'ils le disent alors avec un petit symbole vert à côté, c'est que c'est forcément vrai, voilà. L'exerciceur de machin. On dirait le nom d'un tueur en série dans un film d'horreur éclaté. L'exerciceur de mâchoire. Grâce à un entraînement ciblé, il peut corriger la forme du visage, resserrer le menton, rajeunir le visage et retarder le vieillissement. Oui, bah bien sûr. Et puis quoi encore, hein? C'est une pierre d'infinité en fin de compte, c'est génial. C'est tout petit. Oh super ça, j'ai deux boules à mastiquer. Oh super ça, j'ai deux boules à mastiquer. Ça ressemble à ça. Au niveau du goût, c'est pas fou. Et c'est fou parce que plus je mâche et plus je rajeunis. C'est un truc de dingue. Bientôt, je vais retourner dans le ventre de ma mère. Ah, c'est sûr et certain. En fait, vous comprenez rien de ce que je raconte. C'est un ouf, moi. Ok, d'accord, donc il y a déjà une évaluation sur cet objet. Qu'est-ce qu'il a raconté? Putain, non seulement j'ai pas rajeuni, en plus j'ai mal à la mâchoire et maintenant j'ai le hoquet. Il y a une évaluation, certes, mais je vais être le tout premier commentaire puisque le mec n'a rien laissé. Écrire un commentaire client. Alphonse Dubitatif, le retour. Moyennement satisfait du produit, j'ai mis un commentaire ultra premier degré. La mâchoire a l'air bel et bien de travailler. Toutefois, le produit gagnerait considérablement à être plus ergonomique pour une séance davantage agréable, surtout pour les gencives. Note. Ma première séance m'a valu un hoquet interminable. Pensez à bien reprendre votre souffle. Franchement, je suis sympathique. Je lui mets 2. Ça vaudra pas 3. Je pense que ce commentaire est plus que mérité. Ouais, y a pas de bug dans cette vidéo en fait. Je suis super premier degré sur tout ce que je fais. Ça a l'air pas mal ça comme deuxième objet. Purificateur filtre écologique robinet d'eau. Gadget maison outil de nettoyage. Et en fait, c'est un petit filtre que vous venez mettre sur vos robinets. Et du coup, le tisseur est filtré. Si ça fonctionne, ça peut être hyper bien pour éviter par exemple d'acheter trop de bouteilles d'eau. Ok. Alors, autant je trouve le concept incroyable, autant ce packaging. Le truc, il est éclaté là. Je suis dépité, j'ai mis trop d'espoir dans ce produit. C'est quoi cette attache de merde? Je pète un plomb, ça va sur aucun de mes robinets. Moi j'ai 3 robinets différents, j'en ai un dans mes chiottes, un dans ma cuisine et un dans la salle de bain qui est à l'étage. Putain, je suis trop frustré, je voulais essayer ce truc. Oh putain, oh non. Ta mère, j'ai pété mon robinet. Eh bah super Amazon. Haha, je déconne. Je vous ai eu. Ouais. Bon, le jeu d'acteur était minable, mais ça marche pas! Non mais sérieusement, comment vous voulez que cet embout-là aille sur quoi que ce soit? C'est pas fait pour les robinets là, c'est fait pour les tuyaux d'arrosage de jardin, enfin! Écoutez, je vais essayer de faire comme ça, pour avoir une lampe filtrée. Bouton à cette eau pure, filtrée! Non mais je peux pas boire ça. Vous voyez? Ah, j'ai jamais vu un truc aussi merdique. Je vais me servir un verre d'eau sans rien. Ça, c'est l'eau sans le filtre. Et nous, on a un concept. On a inventé un filtre à robinet qui pourrit l'eau. Alphonse Dubitatif n'est pas content. J'ai bien réfléchi quant à ce produit. Je pense que la note que je vais donner, sans surprise, avec un commentaire très impartial et bourré d'objectivité, c'est 1 sur 5. Ce filtre purifiant a réussi à rendre mon eau encore plus sale. Je recommande, si toutefois vous souhaitez avoir une infection, quelque part dans l'intestin. Hop, c'était de la merde, objet suivant. Alors, autant des fois, c'est pas noté. Et on se dit, tiens, c'est bizarre que personne soit tombé dessus. Ouais, le truc là il donne pas envie, mais tu comprends ce que c'est. Tu vois à peu près que l'objet à quoi il sert, c'est quoi le but. Bon, après t'aimes ou t'aimes pas, ça donne, c'est éclaté, c'est pas éclaté, peu importe. Là, je ne comprends même pas ce que c'est. Ferrofluide cylindrique dans une bouteille anti-stress Toys, affichage liquide magnétique. On va se faire une idée par nous-mêmes, on va essayer de comprendre. Hein. Ça ressemble à ça. Ce qui est excellent, c'est que j'ai l'objet entre les mains et je ne comprends toujours pas à quoi ça sert. Le reflet de magicienne. Ah, c'est un truc de magie. Ok, il y a une notice juste derrière, comment jouer. Et bah, ça m'aide pas forcément plus que ça pour savoir comment l'utiliser. En tout cas, le petit bonhomme est beau gosse. C'est la première fois quand même qu'on voit un objet avec du charisme. Oui, je le trouve charismatique avec son chapeau et son monocle. Alors, ce qui est encore plus rigolo, c'est que si tu enlèves son chapeau, il y a un oiseau en dessous. Non seulement il est charismatique, mais en plus il cache un oiseau sous son chapeau. Wow! C'est incroyablement satisfaisant. Ok, je commence à comprendre comment l'objet fonctionne. C'est du liquide aimanté qu'il y a dans la bouteille. Et si là je retourne par exemple, 3, 2, 1.
ça fait son petit effet. C'est fou tous les petits picots que ça fait. Regardez, sans toucher, ça suffit pour aimanter le fluide, c'est fou. C'est pas mal, il y a de l'idée, mais on s'en lasse vite. C'est dommage, il y a un truc qui est exploité pourtant avec ce fluide. Mais toutefois, j'ai envie de les encourager malgré tout parce que l'idée du produit est pas si mal. 4 étoiles, le magicien 2.0. Sur le commentaire, je suis un petit peu emballé peut-être. En soirée, fini le magicien qui occupe toute l'attention avec ses tours de magie vus et revus. Avec cet objet, il passera pour un véritable ringard. Et c'est vous qui serez sous le feu des projecteurs. Un peu de vécu, oui, peut-être dans ce commentaire. Je suis pas du tout jaloux des magiciens qui occupent toute l'attention des filles en soirée, et notamment ta crush, c'est pas... N'importe quoi, hein. C'est un commentaire totalement... objet, voilà. Envoyé, objet suivant. C'est terrible parce que c'est pas mal, mais si tu lis le titre, c'est éclaté. Alors que sur l'image, en tout cas... Ah, je sais pas, en fait, peut-être que c'est nul. C'est parce que c'est un pied, en fait, à bascule, planche extensible de cheville, de civière de veau, pour le soulagement de la fascite plantaire tendinite d'Achille, mollet serré. J'ai une question. Pourquoi sur Amazon, vous mettez des titres longs comme ça? Synthétisé. On comprend rien. Enfin, c'est censé être le nom du produit, c'est une description. Si on résume mieux, c'est visiblement un produit pour étirer la cheville en étant debout. 25,99€, quand même, on est sur un budget, je serais exigeant. Bon, à quoi ça ressemble? J'ai l'impression que c'est un faux bon produit. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement une bonne idée, il y a peut-être quelque chose qui est pensé. Est-ce que finalement, t'as vraiment besoin de ce produit pour t'étirer la cheville? Ça va? Je mets mon pied, voilà. Je suis vraiment pas convaincu des 26€ pour ça. Enfin, dans l'immédiat, si t'as ton permis de conduire et que t'as une voiture manuelle, autant faire 5 heures de route, tu vas débrayer, embrayer, passer les vitesses. En tout cas, sachez que c'est vachement plus marrant en l'utilisant en jeu d'équilibre. Aïe! Justement, je me demandais si entre-temps, il y avait eu des avis qui avaient été rajoutés ou pas. Absolument aucun. Il n'est toujours pas noté, le machin. Écoutez, on va laisser un avis très constructif comme d'habitude. Oh, et puis allez, 5 étoiles. Miraculeux! Depuis que j'ai acheté cet ustensile, j'ai la vivacité de Kylian Mbappé. Je recommande. J'avais vraiment pas d'idée et j'ai pas envie de mal le noter parce que c'est conforme à la description. Donc... Ah bah, de mieux en mieux. LED siège de toilette veilleuse. WC détecteur de mouvement. 8 couleurs de lampe à pile rétroéclairage pour toilette. C'est une veilleuse pour chiottes. Ok, ça ressemble à ça. Bon, effectivement, c'est bien quelque chose qu'on va venir mettre sur les toilettes. Et évidemment, je présume qu'il faut des piles. Et ben, je vais aller en chercher. On va transformer mes chiottes en boîte de nuit. Si ça marche, c'est énervé. Ok, j'ai mis des piles et ça ne fonctionne pas. Écoutez, je vous en ai dans mes chiottes. Phrase bizarre, en l'occurrence. On a de la proximité entre nous. C'est ça qui est... Bienvenue dans mes toilettes. Mais ça a l'air de marcher, leur truc. Et comment on le fixe? Et bah c'est génial! Mes chiottes sont pas compatibles! Mais y'a un objet qui a fonctionné dans cette vidéo! Mais putain de chiottes sont trop larges, ça tient pas. Yes. Super! Ah c'est bon! Mes chiottes sont compatibles! Ok, fabuleux! Mes chiottes sont compatibles, j'ai trouvé comment faire! Est-ce que ça fonctionne au moins maintenant le détecteur de mouvement? Là j'arrive, frérot, ah ouais, super! Ouais bon, je suis pas convaincu de fou. C'est éclaté. Eh, plus on avance dans cette vidéo, plus la moralité de l'histoire, c'est de quand même globalement pas acheter des trucs qui ont jamais été notés, hein. Mais dites-vous, est-ce qu'il est hyper rigolo, c'est que tout ça, là. Je les achète en société. Forcément, je m'en sers pour faire une vidéo, donc je les achète en société. Enfin, comment tu justifies que t'as acheté une putain de lumière pour des chiottes? En fait, je vais bientôt embaucher. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'il y ait une bonne ambiance. Ça passe directement par les toilettes. De toute façon, vous pensez pas au bien-être de vos employés. C'est pour ça que ça va mal. Vous leur mettez pas une petite veilleuse lumière dans les chiottes pour qu'ils se sentent mieux lorsqu'ils font la grosse commission. Non! Ça, vous le faites pas! Tout le monde pensait au bien-être des salariés de cette manière et faisait des petites attentions. Je pense que le monde irait mieux. Voilà, le fonce dubitatif, il se réveille. Il aime pas se faire baiser, Alphonse Dubitatif, par des pauvres LED lumière qui captent même pas quand j'ai posé mon putain de cul sur les chiottes. Oh, bah tiens, quelle surprise, entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je vais mettre le commentaire, il y a toujours pas eu d'avis. On va pas faire semblant. Le mec, il vit trop son truc. Il vit ses essais. Il vit ses objets auxquels il croyait et où personne n'y croyait. Parce que c'est ça, la vérité. Je vous donne votre chance. Je vous fais confiance. Je vous donne l'opportunité de prouver au monde que vous ne servez pas à rien, qu'ils auraient dû vous commander. 2 étoiles, nul à chier. À la fois violent et à la fois adapté au produit. Pas mal, celui-là. Un truc pour les chiottes. Envoyez commentaire. L'objet qui suit, c'est le truc révolutionnaire. Oh, mais c'est quoi cette merde? Je ne vous mets pas le titre, je vous mets juste la photo. C'est un super masque dans un film d'horreur. Vous voyez, au tout début de la vidéo, quand je parlais d'un film d'horreur, avec ce masque, 46€. Je répète, avant de lire et qu'on découvre, 46€ ce truc. Sachez que c'est un masque beauté du visage rajeunissant. Ils aiment bien nous faire rajeunir, hein. J'ai l'impression que j'ai fait un unboxing d'un truc de fou. C'est encore pire en vrai qu'en photo. Non mais quelle horreur.
Et ils ont fait ça super sérieusement en plus, hein. Tout l'intérieur du masque, il y a des LED. C'est la pire télécommande du monde. À la fois la plus simple et la pire. Il y a deux boutons, mais on ne sait pas lequel correspond à quoi. C'est première grosse partie du test, hein. Si mon nez ne rentre pas dans ce masque, je cherche même pas à comprendre, hein. C'est directement 1 sur 5. Putain, les bâtards, ça, ils rentrent. Putain, ils ont pris l'arche de fou. Haha, c'est trop flippant. Et à toi, là, je regarde la vidéo. T'as intérêt à t'abonner. Parce que sinon, tous les soirs, à 3h du matin, tu sais ce que tu verras dans ton jardin. Putain, mais c'est terrible, j'ai l'impression que je vais aller buter quelqu'un ou faire une frousse. Ça, c'est la télécommande. Mais putain de merde, c'est encore plus flippant comme ça! Mais non, c'est de la... pas fou, hein. Je pense que c'est de la daube, hein. Bon, allez, on va quand même mettre 3 étoiles au produit. Pour les soins de la peau, je ne sais pas. Pour Halloween ou pour effrayer mon voisin afin qu'il arrête de passer la tondeuse le dimanche matin, c'est top. Je recommande. Je pense que c'est le meilleur avis depuis le début de cette vidéo. C'est le plus pertinent. Ah bah, c'est fabuleux, ça, comme objet suivant. Vous connaissez les pop-its, le truc qui a été à la mode il y a déjà à peu près un an. D'ailleurs, anecdote assez drôle par rapport aux pop-its, c'est que j'étais l'un des premiers à l'utiliser, je crois, dans une de mes vidéos. Et à l'époque, il n'y avait pas eu la mode des pop-its. Du coup, j'étais, c'est quoi ce truc, hein, c'est marrant. Et ensuite, je crois que c'est devenu une gigamode grâce à TikTok. Et donc là, bah, on a un pop-it assez particulier. Et je le prends un peu comme une agression ou un foutage de gueule. C'est un pop-it en forme de nez. Et le but, c'est d'éclater les boutons qui sortent du nez. Ça ressemble à ça. Lequel des deux est le plus gros? Mon nez ou ce pop-it? Attention, répondez en toute objectivité. Stop débarque. Super ça, il nous livre avec du pu. Vous avez du pu en fiole vous? Non, bon. Vache, et après on les met dans les trous. Putain, mais c'est dégueulasse mon pauvre. Ah, j'en ai sur le bout du doigt. Quand vous appuyez, oh la vache, ça c'est dégueulasse. Oh regardez, oh regardez, oh regardez, oh regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh putain de merde. Et on a dans le pu. Non mais c'est affreusement dégueulasse. Ah non mais je suis mort, il y a une évaluation depuis 5 étoiles. La personne qui a commandé ça l'a kiffé sa vie. Je suis pas un fan de ce genre de truc, donc Bon allez, je mets 3 sur 5, amusant. Niveau du commentaire, produit amusant qui sécrète encore plus de pu que mes boutons d'adolescence. Nostalgie au rendez-vous. Je trouve qu'à chaque fois, j'ai cette petite phrase, ce petit commentaire qui donne quand même l'envie de l'acheter, quoi. Ah, mais quand même, c'est plus satisfaisant de faire sur soi que sur ce truc, hein. Mais c'est vrai que quand t'as un bouton qui est plein de pu, ça fait plaisir d'appuyer, de sentir le moment où il explose. Ah oui, ça c'est pour se foutre de ma gueule en fait. Un lot de 24 casse-têtes en métal. Non mais c'est super chiant. On dirait une display Pokémon de cartes. Sauf que à l'intérieur, il y a tout sauf de l'amusement. Oh, il y en a la masse. C'est des bons cadeaux, remarque. Ça fait 24 cadeaux, hein. Admire l'envergure du rongeur. Alors, je suis sûr que je peux le défaire en moins de 2. Ah, alors, regardez, il y a un bretzel dans un triangle. Et le but, c'est de les sortir, je suis sûr. Et voilà. Wouhouhou. Est-ce que j'ai complètement forcé pour lui arracher sa mère et réussir le casse-tête? Oui. Je vous jure que j'ai pas forcé, j'ai réussi direct. Comment j'ai fait d'ailleurs? C'est bien de l'enlever, mais faut savoir le remettre aussi. Peut-être j'ai forcé en fait. Hein. Ah non. Ah, ça c'est sympa, il y a la solution quand même qui est fournie avec. Ça rajoutera un point sur la note. On va quand même pas passer trop de temps sur ce truc parce que, bah, comme c'est dit dans le titre, ça casse la tête. Non, je disais ça pour rigoler tout à l'heure, mais regardez. Et c'est vraiment une display Pokémon. Regardez, il y a un petit présentoir. 24 casse-têtes, 29 euros, 24 cadeaux. J'ai mis 5 sur 5. Au top. Toujours un petit commentaire adapté, évidemment. Un super cadeau pour ma belle-mère. Le temps qu'elle réussisse chaque casse-tête, elle ne me retombera dessus que d'ici un an ou deux. Merci à vous pour ça. C'est une vanne. Alors on m'a donné un truc déstressant pour me donner des casse-têtes, pour me redonner un truc déstressant. Alors j'avais jamais eu ça de ma vie, hein. Et je comprends que ça n'a jamais été noté. Toutefois, c'est pas noté, mais c'est Amazon Prime. Un caca extensible. Yes, la description. Amusez-vous pendant des heures à étirer, serrer et tirer un caca. Allez le chercher, hein. Alors, comment dire? Et en tout cas, beau caca. Belle prise, réaliste, beau diamètre. Oh, ça c'est le caca, t'as mangé un peu trop de fibres. Oh, ouh là là, ça c'est celui qui fait mal. Ou c'est celui qui irrite tes fesses. Non, c'est que je suis en train d'imaginer quand même, c'est-à-dire qu'il y a un monde. Et c'est celui dans lequel nous vivons, où il y a des mecs qui sont assis, qui ont fait de la recherche et développement, qui ont fait des réus pour produire ça, quoi. C'est incroyable, j'ai plus les mots, vraiment. J'ai dit 5 étoiles en disant qu'il en fallait bien un premier. Je me suis dévoué. J'ai acheté pour vous ce gadget inutile et satisfaisant. La texture est étonnamment très proche de la réalité. J'adore. On rentrera pas plus dans les détails, c'est mon intimité. Et après tout, je teste, pas que les objets Amazon. En ceci dit, j'aime bien ce commentaire, donc je laisse, allez hop, envoyer. On arrive, je crois, au dernier objet de cette vidéo. 263 euros. C'est quoi, c'est un truc de torture, c'est quoi ce truc? Machine en cadre d'acier, d'étirement, d'entraînement, matériel de fitness, équipement, gymnase pour salle de sport. C'est un karting, en fait, là. C'est un appareil d'étirement qui ressemble à un karting et qui à la fois fait instrument de torture. Oh putain, je la sens
tellement gros comme une maison. Vous entendez ça? Je n'ose pas imaginer le nombre de vis et le nombre de minutes, voire d'heures que ça va me prendre à monter cette saloperie là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le monter de mon côté et dès que c'est fini, on l'essaye. Ça ressemble vraiment à un karting, sauf que c'est pas du tout si fun. Bon, c'est bien au moins, c'est ludique, hein. Et cassé. Déjà cassé. Si là on me détourne, on peut me foutre dans Mario Kart. J'ai le personnage que personne ne prendra. Franchement, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, c'est de la merde. Donc pour que le volant tienne, je mets l'outil pour visser. On rappelle le prix de cet objet. Donc normalement, si je tourne dans ce sens-là, pas forcément très intéressant et très long. Enfin là où ça va être intéressant, c'est quand ça va commencer à écarter vraiment fort. C'est un peu satisfaisant à faire quand même, je vais pas vous mentir. Ça tire déjà. Alors par contre, ça marche. Hein. C'est de la dope, c'est de très mauvaise facture, mais c'est une bonne fracture. Ça déconne, je pense que si on en fait 30 minutes, même pas des... Voilà, c'était sans compter sur le fait qu'il soit cassé. Plus de 200 balles. 3 étoiles. Effet garanti. Produit pas super qualitatif. Toutefois, depuis que j'ai acheté cet appareil, je maîtrise le grand écart à merveille. Top pour impressionner les collègues lors de la pause café. Et voilà, c'est envoyé. Piouf. Ah, c'est pas de tout repos hein, de tester des objets qui n'ont jamais été notés sur Amazon. Évidemment, ne le refaites pas chez vous. Je suis un professionnel, je suis Alphonse Dubitatif, je sais tester ce genre de petites trouvailles. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire de pas le faire chez vous pour pas dépenser de l'argent dans des choses qui ne sont pas notées et pour la plupart pas forcément très utiles. Salut !